Slim Zabagouine, président des artistes plasticiens de Centrafrique, en abrégé FEDAPCA. Nous avons eu l'idée de réaliser ce projet parce que depuis au moment du Covid, cette pandémie, nous on a dit que nous, qu'est-ce qu'on a de bien pour nos pays et de lutter contre toutes ces pandémies-là. Et on a choisi de faire de l'art visuel, on a choisi le domaine de l'art visuel, de fresques murales. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour le démarrage du fresque. On aura le temps de réaliser ici le premier jour et dans 8 arrondissements de Bangui, Bimbo-Bégoua et dans l'arrière-pays de Bangui, du province, pour nos 16 préfectures. Cette maladie touche tout le monde. Donc, par rapport à l'image, on peut sensibiliser, toucher tout le monde à travers toute cette image-là. Voilà pourquoi nous, on choisit les fresques pour sensibiliser pour l'outil de nos combats du coronavirus. Et maintenant, on cherche des partenaires. Parce que nous, on n'a pas la possibilité pour faire tout, réaliser tous ces projets. On cherche des partenaires. Et on est là pour le début. Actuellement, on n'a rien, mais il y a le ministère de la Santé qui est là pour nous soutenir. Et il y a pas mal de partenaires qui sont là. S'ils ont vraiment la possibilité de nous soutenir, on est prêt de faire la réalisation. Mais on a besoin de soutien de n'importe qui, quoi. Je m'appelle Galilée Hervé Ndoma, je suis artiste peintre, sculpteur, dessinateur. Et là, j'interviens par rapport à la sensibilisation contre le coronavirus. Et vous me trouvez là sur le dessin qui est l'une des mesures barrières. Ici, vous pouvez voir deux mecs qui se saluent. Alors, c'est interdit et je suis là en train de mettre des croix, une croix qui indique que c'est interdit de se saluer en se tenant les mains. Là, c'est le lavage des mains. C'est le lavage des mains. Là, j'ai dessiné un seau avec un petit robinet et une personne qui est en train de se laver les mains pour se protéger contre le coronavirus. Parce que des fois, il y a des gens qui touchent le nez et ils ne se lavent même pas les mains et ils vont toucher quelqu'un et puis ils risquent de contaminer les autres. Donc, pour éviter, pour lutter contre le coronavirus, il est indispensable, nécessaire de se laver les mains avec du savon ou avec les désinfectants.